J'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours je vous ai fait une petite story par rapport aux croquettes de Pablo. Pablo là il en peut plus, il mange les mêmes croquettes depuis plus de 2 ans. Et ces croquettes elles lui conviennent, mais j'en avais un petit peu marre qu'il mange tout le temps les mêmes croquettes. Enfin, c'est comme nous, si on mange tout le temps la même chose, à un moment donné où on en a ras le bol. Et puis c'est que je suis partie au magasin, j'ai regardé les croquettes qu'il y avait. Et c'est vrai que comme je ne connaissais pas, je n'ai pas osé prendre. Parce que je sais que les croquettes c'est très important pour les animaux. D'ailleurs, c'est pas du tout son cas, je fais vraiment attention à son alimentation, c'est super important. Je lui laisse jamais manger mes restes, c'est très très rare quand je lui donne quelque chose que moi je mange. Je m'étais renseignée, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait 30% de chiens qui étaient obèses et 50% de chiens qui étaient en surpoids. Donc comme quoi c'est vraiment super, ils n'ont pas tous les mêmes goûts. Il y en a par exemple qui vont préférer le bœuf, il y en a qui vont préférer le poulet ou le poisson. Enfin ça dépend vraiment des goûts de chaque. Il est très difficile sur sa nourriture. J'ai déjà même essayé de lui mettre de l'huile de saumon parce que c'est beau pour son poil, mais il déteste quand je lui mets ça. Donc voilà, c'est vraiment chaque animal. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait la marque Jaffy. En fait, j'ai vu plein de gens qui faisaient la promo de cette. Je les ai contactés pour leur demander si ça les intéressait de m'envoyer des produits pour que Pablo puisse des produits. Il y a plein de goûts et ce que j'adore, c'est que en fait, quand j'ai reçu la boîte, regardez comment c'est. Ici, on a les premières croquettes de Pablo, donc le premier sachet que j'ai déjà ouvert, donc qu'il mange depuis que je les ai reçus. Donc les croquettes sont comme ça. Vous avez avec un petit récipient pour pouvoir prendre les croquettes, qui est d'ailleurs trop mignon, je trouve trop chouette. Vous pouvez aussi mesurer la quantité de vos croquettes. Hop, et alors, regardez, donc j'ai reçu un autre sachet. En tout cas, le poulet, il en raffole. Et alors, donc un deuxième petit récipient. Et ce que j'ai vraiment adoré par-dessus tout, hier, vous voyez, il y en a plein, c'est trop mignon. Ils sont tout doux en plus. Regardez. C'est ça que tu veux? Tu veux ça? Non, ça. Ah, voilà, Pablo il adore. Franchement, il arrête pas de jouer avec moi. Tiens, allez. We just trying to catch a good time, even if it takes all night. Bébé. Pablo. Pablo. Il fallait sa queue à côté de moi. Mon bébé. Mon fils. Tu l'aimes trop mon bébé. Grosse de poil. Ah oui, aussi un truc qui est vraiment bien. Sur le site d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait. En fait, il y a un questionnaire où vous remplissez toutes les questions sur votre chien, donc par exemple son poids, son âge, etc. Et de là, il y a un vétérinaire qui va lui faire des recettes adaptées en fonction de toutes les questions auxquelles vous avez répondu. Donc pour avoir des recettes bien personnalisées. Mais les croquettes, elles apportent énormément d'énergie au chien, elles permettent que le chien soit en bonne santé, qu'il a tous les ingrédients dont il a besoin. Et voilà. C'est vraiment des choses que j'aime dans ma vie, qui me touchent et tout ça. Je déteste qu'on fasse du mal aux animaux. Je suis vraiment une amoureuse des animaux. J'adore. Donc pour moi, c'est trop important. Les amis, je suis venue faire de l'acupuncture, j'ose pas parler trop fort, je suis trop stressée, pourquoi? Dans son bureau et du coup je ne fais pas les aiguilles aujourd'hui, la semaine prochaine parce qu'une séance ça dure 1 heure en temps normal, mais moi il va me faire 1h40 parce qu'il doit me faire devant et derrière. Il m'a dit que par rapport à mes problèmes, il y avait 9 chances sur 10 que Et là, en fait, on est en train de parler de tout ce qui va pas, de plein de choses, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je recherche et tout ça. Et voilà, donc du coup, ce sera la semaine prochaine, donc j'ai flippé pour rien. En fait, je vous explique, moi, je ne dors pas. Je suis trop fatiguée, j'ai des gros problèmes de sommeil. Faut savoir que je vais dormir très tard et que je me lève très tôt. Du coup, la journée, je suis super fatiguée. Et le truc, c'est que même quand je suis fatiguée, encore après ça, j'arrive pas à dormir. Donc en fait, je me lève le matin, je suis fatiguée, je fais toute ma journée à fond. Et vous voyez bien que mes journées, elles sont à du 200 à l'heure. Et le soir, quand je rentre, je me dis vivement que je rentre, que je suis fatiguée. Et en fait, j'arrive pas à dormir. Donc j'accumule mes fatigues et le sommeil. Et du coup, ça joue sur plein de trucs, sur mon système nerveux. Je suis vite excédée, c'est horrible. J'ai des migraines aussi, c'est à cause de ça. Je suis super tendue, tout là. Donc, du coup, ça permet vraiment de travailler là-dessus. Et qu'ils me disent qu'il y a 9 chances, 9 chances sur 10 que ça marche. C'est encore plus rassurant, quoi. Là, je reviens la semaine prochaine, on va me mettre mon rendez-vous. Bon, voilà, je sors de mon rendez-vous, je vous explique. Alors, donc, je suis venue aujourd'hui, donc j'ai fait une consultation. Il dit, donc, comme je vous expliquais, tous les problèmes que moi j'ai avec le stress, la fatigue et tout ça. Il m'a dit, donc, c'est 50 minutes, mais il faut le temps que vous arriviez, vous installez, vous déshabillez, que moi je pique. Et puis, pareil, remboursé par la mutuelle. Je crois que vous avez 12,50 €. Moi, par exemple, ma mutuelle, elle me rembourse 12,50 €. En tout cas, c'est remboursé, donc il faut au minimum 3 séances et 8 à 9 séances maximum. Mais il a dit qu'il y avait déjà des gens après 3. Si vous venez, prenez du cash parce qu'il n'a pas de carte. Donc ça, c'est un peu chiant. J'ai dû aller jusqu'au Colruyt, acheter une bouteille pour retirer du cash. Donc prenez bien, venez du cabinet désistement. Et du coup, je vous dirai quoi lundi. Mais il m'a dit que ça faisait pas mal. Il mettait les aiguilles, puis après il tournait un peu jusqu'au système nerveux pendant 3 secondes sur chaque aiguille, mais que ça ne faisait pas mal.